Shalom, shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions là à 18 h sur Facebook, c'était wow, wonderful. Et nous sommes là à 22 h, bien-aimés dans le Seigneur, afin que nous puissions continuer notre programme de jeûne et de prière. Car nous sommes au premier jour de notre 3 jours de jeûne et prière, 3 jours de la résurrection, 3 jours de la bataille, 3 jours de retour à l'expéditeur, 3 jours d'agressivité spirituelle, 3 jours des actions spirituelles, 3 jours où nous voulons dire que j'en ai assez, trop, c'est trop. 3 jours où nous voulons dire que le diable ne passera pas. Alors je voudrais que pendant ces 3 jours, que tu puisses suivre bien ce programme. Tu as bien quitté ton lit depuis minuit, quand nous avons démarré sur Facebook. Depuis minuit, tu as quitté ton lit et tu dors au salon, ou soit tu dors par terre, tu as mis une couette, tu as mis un matelas, mais tu as quitté ton lieu où tu dors habituellement, afin que ce sacrifice soit encore plus accentué. Pendant ces 3 jours, nous n'allons pas toucher à la viande, ni au riz, ni à la banane. Nous allons manger seulement la salade et le pain. Nous allons clôturer notre jeûne de prière dimanche, pendant dimanche, est toujours à Noisy-le-Grand, à Novotel Noisy-le-Grand. Je demanderai même Samuel de balancer la vidéo avant que je puisse continuer. Samuel va balancer la vidéo de spot que nous avons fait afin que nous puissions encore voir l'adresse. Nous sommes aux 2 allées Bienvenue 93 160 Noisy-le-Grand. C'est le seul Novotel à Noisy-le-Grand. Nous sommes là-bas tous les dimanches de 10 h à 13 h. Shalom la famille, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de passer de moments merveilleux ici à Novotel Noisy-le-Grand. Alors, tous les montagnards du monde entier et les montagnards de la France et précisément de Paris en Île-de-France, désormais, notre adresse, c'est 2 allées Bienvenue, n'est-ce pas, Noisy-le-Grand, 93 160 Noisy-le-Grand. Nous faisons nos cultes chaque dimanche de 10 h à 13 h à l'amphithéâtre. Comme vous êtes en train de voir la salle, elle est là, un très beau cadre. Nous vous attendons vraiment nombreux tous les dimanches. C'est une école merveilleuse et vous connaissez la profondeur de nos enseignements. Alors tous les dimanches, nous passons des moments de délivrance, des moments prophétiques, des moments de gloire. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Ça, c'est une invitation cordiale que nous vous adressons, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, le problème avec les enfants, le problème avec le mari, le problème de possession démoniaque. À la montagne de la prière, nous disons, ça ne rate pas. Alors, vous êtes notre invité tous les dimanches, de 10 h à 13 h à Novotel Noisy-le-Grand. Les coordonnées sont là, l'adresse est là, les numéros de téléphone sont là. Appelez-nous et nous vous recevrons vraiment avec joie. Ce sont des moments merveilleux. Ce sont des moments de rencontre avec le Seigneur. Je suis béni de savoir que le dimanche prochain, vous serez parmi nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alors vous connaissez bien le combat de nos lives et le combat de nos réseaux sociaux. Alors nous vous encourageons vraiment à continuer à travailler avec nous, surtout de ne pas oublier, pendant que nous sommes en live comme ça, de commenter, de partager. De commenter, de partager massivement et de commenter encore et encore. Donc, comme j'ai dit, nous sommes là aujourd'hui à 22 h et puis nous serons là demain à 18 h sur Facebook et à 22 h sur YouTube Samuel Panzu TV. Et la grande clôture, comme j'ai déjà anticipé, ça sera à Novotel Noisy-le-Grand à partir de 10 h. Vous connaissez bien nos programmes désormais. Tout le lundi, nous sommes là à 18 h sur votre nouvelle page Samuel Panzu Ministry et puis à 22 h sur votre chaîne YouTube Samuel Panzu TV. Nous sommes là lundi, mardi et vendredi, 3 jours dans la semaine où nous sommes là en live lundi sur Facebook à 18h, 22h sur YouTube et mercredi, vendredi la même chose. Et nous vous annonçons déjà que nous allons terminer ce programme de 3 jours de jeûne et prière, mais vendredi sur le prochain, nous serons encore en jeûne et prière. Préparons-nous parce que nous voulons d'ici la fin de l'année que quelque chose soit dévissé et que quelque chose soit déclenché pour la gloire de notre Dieu. Car mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. N'oubliez pas aussi surtout, avant de commencer, de continuer à soutenir. Nous avons des batailles que nous ne voulons pas toujours répéter ici. En tout cas, votre offrande, votre soutien nous fera tellement de bien. Parce que si aujourd'hui nous avons encore la page Facebook qui commence déjà à progresser, c'est parce que Dieu nous a fait grâce de trouver une entreprise qui s'en occupe. Et très bientôt, elle va aussi s'occuper de YouTube. Car mon Dieu vous bénisse abondamment. Reçois cette grâce. Je déclare que le soleil, la lune et les étoiles soient à ton service. Je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus, le Dieu qui a créé la nature et tout ce qui s'y trouve, il l'a créé pour l'homme. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que le ciel te soit favorable, que les arbres te soient favorables, que la terre te donne le nécessaire, que les eaux de la mer te donnent le nécessaire, les rivières, le fleuve te donnent le nécessaire, que les hommes créés à l'image de Dieu te donnent le nécessaire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tu sois véritablement un guerrier, l'homme que Dieu a créé à son image, afin qu'il soit capable de dominer, de se battre. Reçois cette grâce au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 3 jours de jeûne et de prière, 3 jours de retour à l'expéditeur. Je voudrais partager quelque chose de très puissant ce soir avec vous. Les 3 griffes du chrétien dans le combat spirituel. Quelles sont ces griffes? Les lions ont des griffes au-delà des puissants mâchoires qu'il a ou des chimères qu'il a. Hein, le lion a des griffes. Hein, beaucoup de félins, ils ont des griffes. L'aigle a des griffes. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu a 3 griffes très puissantes. Alléluia. Il a des griffes, je ne sais pas si les griffes c'est féminin ou au masculin, mais enfin, il regarde ça. Griffes, je crois, c'est au féminin, je ne sais pas. Donc, il y a 3 griffes de chrétiens. Et ces griffes sont très importantes dans le combat spirituel. Il est très important de pouvoir maîtriser ces 3 griffes que je vais pouvoir te révéler encore ce soir. Ce sont des points doctrinaux ou doctrinaux très efficaces pour le combat spirituel. Au nom puissant et glorieux de Jésus, féminin ou masculin? Féminin. Donc, au féminin. Donc, 3 griffes de chrétiens. 3 griffes du chrétien dans le combat spirituel. Ce sont les griffes qui permettent aux félins de pouvoir bien maîtriser la proie. Alléluia. C'est parce que l'aigle a des griffes très puissantes qui le permet de transporter même dans les lieux élevés de proies qui dépassent même sa taille. Et je prophétise au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Pas tous les animaux ont des griffes. Pas tous les oiseaux ont des griffes. Les autres ont des pattes. Mais l'aigle a des griffes, bien-aimé du Seigneur. Il y a quelques gros oiseaux qui ont des griffes. Mais je parle là de la griffe de l'aigle. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth que ton attitude change dans ce combat spirituel. Tapez-moi 5 fois, griffe, griffe, griffe. Si nous allons lire la parole de Dieu, Samuel peut me lire dans Genèse chapitre 1er au verset 1 jusqu'au verset 2 d'abord. Nous allons voir que notre Dieu, il y a quelque chose que je vais insister ainsi, bien-aimé Seigneur, tu dois être l'acteur de ta vie. Lorsque nous parlons dans la doctrine de retour à l'expéditeur, c'est une doctrine qui pousse l'homme à l'action, qui t'interdit d'être un homme passif, bien-aimé, dans le Seigneur. Et donc, quand tu es à la montagne de la prière, nous t'interdisons d'être passif dans ta vie, dans ton existence. Parce que Dieu t'a donné une vie et tu dois vivre ta vie, tu ne dois pas la subir. Je déclare à partir encore de ce soir qu'une rage spirituelle, alléluia, puisse t'enflammer et que tu dises j'en ai assez avec ce petit sorcier, j'en ai assez avec le magicien, j'en ai assez avec le moqueur, je prends les choses en main, alléluia, je prends mon courage à deux bras et je crois qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Nous allons lire la parole de Dieu rapidement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la vie et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Écoutez bien, la Bible dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Dieu avait créé et il avait fini. Dieu avait créé le ciel et il avait créé la terre. Tout était fini. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu crée est parfait. Parce qu'il n'y a pas de l'imperfection dans ce que Dieu crée. C'est pourquoi tu n'es pas un homme imparfait. Tu es devenu imparfait à cause du péché naturel ou originel que nous avons hérité d'Adam. Alléluia. La seule chose que Dieu, le seul élément ou la seule créature que Dieu a créée et ensuite il a regretté, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé complet, pour ne pas dire parfait. Mais je crois que l'homme était parfait parce qu'il était sans péché. Et quand l'homme a désobéi et quand l'homme a péché, Dieu a regretté beaucoup parce que c'est la seule créature que Dieu a créée à son image et à sa ressemblance. Mais nous allons voir que Dieu ne s'était pas limité là. Dieu avait tout créé. Le ciel était tout à fait bien. Tout créé. Tout était beau. Et puis, il a créé la terre. Tout était bien. Mais la Bible déclare et il y a un problème dans la création de Dieu. Est-ce que ça va? Les micros, ça va? Il faut contrôler le micro. Est-ce que mon micro fonctionne? Je ne sais pas si là-bas, les micros fonctionnent. La Bible déclare, le ciel et la terre, bien-aimé le Seigneur, étaient créés par Dieu et tout était bien. Mais la Bible dit aussi au verset 2, et voici, la Bible dit que, en français, on dit, et la terre était informe et vide. Non. Dans la Bible hébraïque, on dit, bien le Seigneur, que la terre n'était pas informe. La terre était devenue informe. Donc la terre, au préalable, quand Dieu l'a créée, n'était pas informe. Dieu l'a créée belle, Dieu l'a créée bien. Et puis la terre était devenue informe et ensuite vide et les ténèbres à la surface de l'abîme. Papa, maman, tapez-moi 5 fois confusion. Confusion, confusion. Vous savez, nous sommes dans un monde où je vais te choquer ce soir. Les gens regardent la nature et ils prennent la sagesse, ils deviennent intelligents. Nous vivons dans un monde où la logique qui prévoit, dans ce monde où nous vivons, la logique qui prime, bien-aimé le Seigneur, c'est celle de prédateurs et de proies. Dans le monde que nous vivons, la logique qui prime, la logique qui conduit les hommes sur cette terre, c'est la logique de la jungle, c'est la logique de la brousse, c'est la loi du plus fort, c'est la logique de prédateurs et de proie. Cela veut dire que lorsque nous sommes humains, et que l'homme est tombé dans le péché, il le perdit. Bien-aimé le Seigneur, nous vivons dans un monde, bien-aimé, où la seule logique qui prime ici, c'est la logique de prédateurs et de proie. C'est toi qui dois choisir quelle position, quel emplacement tu veux être. Tu veux être une proie ou tu veux être un prédateur. Si tu es une proie, tu veux être une proie passive. Tu veux être une proie passive. N'importe quel félin, il peut t'attraper facilement. Je prie vraiment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que retour à l'expéditeur soit quelque chose qui réveille ton intellect, qui réveille ta nature, bien-aimé Seigneur. Je dis ici que chacun doit être en capacité de faire face aux ennemis de sa vie. Chacun doit faire face aux prédateurs physiques et spirituels de sa vie. Un prédateur, c'est celui-là qui chasse la proie. La proie se fait chasser par le prédateur. Et la plupart du temps, la proie n'a pas d'autre choix que de fuir. Soit il doit se défendre au péril de sa vie, mais il est capable de gagner la bataille. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible déclare l'esprit que nous avons reçu, que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de courage, de force, bien-aimé le Seigneur. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons dire « Abba Père ». Nous sommes dans un monde de menaces. Nous sommes dans un monde, bien le Seigneur, où la sorcellerie est d'actualité. La magie est de l'actualité. Et on voit la sorcellerie même dans l'église. On voit la sorcellerie. Moi, ce que j'appelle par exemple la sorcellerie chrétienne, c'est quoi? Ça fait des années que j'en parle. La sorcellerie chrétienne, c'est lorsque nous voyons ceux qui sont en train de divorcer, ils sont en train de prêcher contre les divorces, comme si, et voilà, c'est bien quand tu es divorcé de dire que le divorce est mauvais, n'est-ce pas? Ça c'est bien, mais ils prêchent contre le divorce et pourtant eux-mêmes, ils ont divorcé. Ils prêchent contre l'impudicité et pourtant eux-mêmes, ils font l'impudicité. Ils prêchent contre le banditisme et pourtant, ils sont eux-mêmes de bandits. C'est ça la sorcellerie chrétienne. Ils sont menteurs, mais ils conditionnent, n'est-ce pas? Ils prêchent contre les mensonges, mais ils vivent dans le mensonge. Nous sommes dans un monde de prédateurs et de proies. Tu dois être capable d'identifier ton emplacement. Est-ce que je suis une proie? Est-ce que je suis un prédateur? Ou je suis une proie passive? Ou n'importe qui peut venir et puis il prend ma place, il fait ce qu'il veut et puis moi je lui laisse faire. Moi je déclare ici au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu ne dois pas être une proie facile. Tu ne dois pas être une proie facile, une proie passive, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous lisons dans la Bible dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était devenue informe et vide. Partagez, partagez, partagez et likez cette vidéo, likez. Nous sommes au premier jour de notre 3 jours de jeûne et prière et nous allons prier avec les 3 griffes que je vais vous révéler ce soir, en fait que nous puissions lever l'étendard de la croix, alléluia, dans la bataille spirituelle. Les 3 griffes, bien-aimés dans le Seigneur, du chrétien dans le combat spirituel. La Bible déclare, la terre était devenue informe et vide, et les ténèbres agissaient, hein, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Qu'est-ce que je vois de surprenant dans ce désordre, dans ce tohu abohi, alléluia, donc le chaos total. La Bible déclare, Dieu n'a pas été absent. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, la doctrine de la montagne de la prière, c'est la doctrine qui vient te dire que non, tu n'es pas un lion sans griffes. Tu n'es pas un lion sans griffes. Tu es un lion avec des griffes. Tu es un félin avec des griffes. Il a dit, bien-aimés dans le Seigneur, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sages, prudents comme les serpents, simples comme la colombe, mais prudents comme les serpents. Lui-même, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Un lion rugit, un lion a des griffes. Et on voit que Jésus a bien utilisé ces 3 griffes, bien-aimés dans le Seigneur, dans toute la bataille spirituelle et surtout, bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'il puisse vaincre dans le monde où il était venu, afin de pouvoir nous racheter de la mort. La Bible déclare que les ténèbres étaient là, l'informe était là, le vide était là, mais Dieu était aussi là. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois déclarer ceci, je suis là. Je suis là. Qu'il vienne la nuit, je suis là. Qu'il vienne le jour, je suis là. Loba pena keko na zawana. Bobomi makabunanga na zawana. Na kimite na zawana. Alléluia. Déclare ceci. Vous avez créé le désordre dans mon mariage. Je suis là. Vous avez créé le désordre dans la vie de mes enfants. Je suis là. Vous avez élevé de mirailles pour m'empêcher d'avancer dans le parcours, dans la destinée de Dieu. Je suis là. Tapez-moi 5 fois, je suis là. Je suis là. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était là. Or, Dieu est esprit. Dieu était là par son esprit. Il y avait le chaos. Il y avait le désordre. Il y avait les ténèbres. Mais Dieu maîtrisait. Il était là. Il était là. Bien-aimé, on ne peut pas maîtriser quelque chose que nous ne, ou quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas maîtriser quelque chose qui nous fait peur. Nous ne pouvons pas maîtriser quelque chose qui nous fait fuir. Si nous voulons maîtriser quelque chose, nous devons l'affronter. La seule chose, bien-aimé Seigneur, que nous pouvons faire pour maîtriser la sorcellerie, nous devons l'affronter à visage découvert. Parce que nous ne sommes pas ceux-là qui lisent la parole de Dieu avec le voile. Nous lisons la parole de Dieu avec le visage découvert. Tu dois, bien-aimé le Seigneur, être là dans la bataille pour tes enfants. Tu dois être là dans la bataille de ta santé. Qui t'a dit que tu vas mourir demain? Qui t'a dit que tu as échoué? Il y a des gens qui ont commencé de bonnes choses à 60 ans, à 65 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, les gens comme l'actuel président, comment s'appelle? Joe Biden. Joe Biden est devenu président presque à 80 ans. Combien d'années cet homme était dans le coulisses du pouvoir des États-Unis d'Amérique? Il a été même vice-président d'un président noir. Il a été vice-président d'un président noir. Mais aujourd'hui, il est président. Tu dois être là dans la bataille. Ce que moi j'ai appris avec Dieu est que Dieu n'est pas un Dieu passif. Dieu est un acteur. Dieu n'a jamais été une proie. Dieu n'a jamais été un adversaire facile. Tu dois être un adversaire coriace. Même si tu es dans la position de proie, tu dois être une proie difficile. Oui, parce que dans la jungle, malgré la présence des lions, malgré la présence des félins, des ours et des hyènes, malgré la présence de plusieurs prédateurs dans la brousse, même l'antilope fait des enfants. Ne disparaît pas. Les antilopes sont dans la brousse. Les lions sont dans la brousse. Les antilopes sont dans la brousse. Ils font des enfants dans la brousse. Ils grandissent des enfants dans la brousse, mais ils sont des antilopes. Cela veut dire que la seule chose, bien-aimé Seigneur, que je voudrais te dire ce soir, avant de te donner les trois griffes, bien-aimé dans le Seigneur, est que la première des choses que tu dois savoir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, tu dois être là, présent dans le combat. Tu dois être là présent dans la souffrance. Tu ne dois pas, bien-aimé Seigneur, fuir quand les choses ne vont pas. Partager. Tu ne dois pas fuir parce que quelqu'un est en train de te menacer. Tu ne dois pas fuir. On n'a pas à fuir les combats. Nous devons les affronter. La seule façon, bien-aimé Seigneur, il y a des choses. Dieu était là. La Bible dit, l'Esprit de Dieu était là. Donc Dieu était là. Il faut que les gens sachent que tu touches ton fils, il te croisera sur son chemin. Il faut que maintenant, ce qui n'a 6 mois si naïe, n'a oula la tei, n'a romon naïe. Ce qui n'a 6 mois na naïe, n'a romon naïe. Donc il faut que les gens sachent que non, si je touche à la femme de cet homme, je vais voir cet homme. Si je touche à ses enfants, je vais le voir. Si je touche à son ministère, je vais le voir. Bien-aimés, vous devez être là. La seule façon de maîtriser les choses, de combattre les choses, c'est de les affronter. On ne maîtrise pas ce qui nous fait peur. On ne maîtrise pas ce que nous fuyons. Ne fuyez pas les combats. Ne fuyez pas les difficultés. Ne fuyez pas les chaos. Quel que soit le problème qui est dans la famille, restez présent. Restez en place. Restez en place. Vous verrez ce que l'Éternel fera. Restez en place. Restez en place. N'abandonnez pas parce que les choses ne vont pas. C'est ça la notion de retour à l'expéditeur. Savoir affronter les choses. Ne pas être passif dans le combat. Ne pas être une proie facile. Je dis ici, un enfant de Dieu doit vivre sa vie. Il ne doit pas subir la vie. On ne doit pas subir la vie. Dieu était là. Le chaos était là. La confusion était là. Le vide était là. Mais Dieu était là. Tu dois être là. Tant que tu seras là, Dieu te donnera tous les moyens possibles en fait de triompher. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. La terre était devenue informe, mais Dieu n'a pas fui. La terre était devenue vide, Dieu n'a pas fui. Le ténèbre est arrivé, Dieu n'a pas fui. Il est resté sur place par son esprit. Deuxième élément, la Bible dit l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit de l'Éternel n'était pas là inerte. L'esprit de l'Éternel était là, il se mouvait. Ça veut dire que l'esprit de l'Éternel agissait. Tapez-moi 5 fois. Agissez, agissez, agissez. Tu dois agir. Notre Dieu, c'est un acteur. Un acteur, c'est un homme d'action. Notre Dieu est un Dieu d'action. J'ai lu quelque part, quelqu'un avait écrit quelque chose qui m'a beaucoup impressionné et touché. Il a dit ceci: Dieu a cessé de créer, mais il n'a jamais cessé d'agir dans sa création. Dieu avait cessé de créer, mais il n'avait jamais cessé d'agir dans sa création. Il a toujours agi. Tu dois toujours agir, c'est dans l'action que nous allons voir la gloire de Dieu. C'est dans l'action que nous allons voir la puissance de Dieu. Le magicien de Pharaon, pour que Israël quitte l'Égypte, il fallait que Moïse puisse affronter phare à phare, Pharaon et ses magiciens. On ne peut pas gagner de bataille si on ne les affronte pas. On va vous déclarer forfait. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens sont déclarés forfaits parce que les ennemis ont tellement la bouche, les ennemis ont tellement la violence, on ne doit pas avoir la peur de la violence. Nous sommes dans un monde violent. Nous sommes dans un monde où même si la violence n'est pas chez toi à la maison, mais la violence que subissent les autres te donne déjà le stress. Tozana mukilimo uko yoko tunanda kunoza la violence te. Mais violence oka kezo sala bana banda kwa batu mususu na mukilimo bimba. Ezo memelo de stress na katandaku. C'est pourquoi la Bible déclare, Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Alléluia, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Soyez en paix. Nous devons combattre la bataille dans la paix, dans la tranquillité. Le retour à l'expéditeur est loin d'être une doctrine des gens qui ont leur tête en bas et les pieds en l'air. Les gens qui regardent toujours derrière et non jamais devant. Non, la doctrine de retour à l'expéditeur est une doctrine des hommes hautement spirituels, qui ne sont nullement en colère, qui ne sont nullement agités, mais qui connaissent le temps, comment il faut agir. La passion de Dieu vous pousse à ne pas vous arrêter aux hypothèses. D'ailleurs, nous devons comprendre que tout ce qui est grand naît dans la souffrance et grandit dans la souffrance. La manière de faire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a toujours été au contraire à la manière de faire des hommes. N'abandonnez pas vos enfants parce qu'ils sont tombés, je ne sais pas, dans la drogue ou dans les carréments. N'abandonnez pas votre femme. N'abandonnez pas votre femme, n'abandonnez pas votre mari, parce qu'il y a le travail qui manque, parce que l'argent a disparu dans la maison, parce qu'il y a un sorcier qui s'est introduit dans votre famille et qui veut rendre nil les années de sacrifice que vous avez bâti. Nous sommes dans un monde de dénigrement. Il y a des gens, bien aimés Seigneur, qui ne te connaissent même pas, mais qui ont seulement appris des mauvaises nouvelles de toi et qui vont te dénigrer. N'aie pas peur. Nous sommes dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, où je dis le monde de proie et de prédateurs. Moïse devait affronter Pharaon. Moïse devait affronter le magicien de Pharaon. Mais qui a été le plus fort? C'était Moïse, parce que Moïse avait Dieu. Quelqu'un qui a Dieu n'a pas peur de la sorcellerie. J'ai toujours dit que les sorciers de la nuit sont moins dangereux que les sorciers du jour. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Satana. Celui qui a marché sur les eaux, celui qui a arrêté le vent, celui qui a ressuscité le mort, celui qui lui-même a vaincu la mort, il est à nous, il vit à nous, et son nom est Jésus-Christ. La Bible déclare c'est le nom qui lui a été donné, alléluia, et c'est par son nom, alléluia, que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a ajouté à mon nom, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc le venin du scorpion ne me fera aucun mal. Le venin du serpent ne me fera aucun mal. Tant que je reste dans la prière, tant que je reste dans la crainte de Dieu, tant que je reste un bon père pour mes enfants, une bonne mère pour mes enfants, un bon papa, un bon mari pour ma femme, une bonne femme pour le mari, bien-aimé Seigneur, un bon frère pour ses frères, un bon pasteur pour ce membre, aucun sorcier ne peut détruire votre vie. Aucun sorcier. L'affrontement, il faut seulement que tu aies le courage de les affronter en face, comme Moïse les a affrontés. Notre Dieu est un Dieu d'affrontement. Notre Dieu est un Dieu d'affrontement. Nous avons des lions sans griffes. Malheureusement, nous avons les chrétiens qui ont peur à tout moment. La foi n'enlève pas la peur, mais la peur la foi nous permet d'affronter la peur, de ne pas abandonner, de ne pas fuir. Dieu nous a toujours formés dans la douleur. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir la qualité. Tout ce qui est qualitatif, non quantitatif, tout ce qui est qualitatif s'obtient s'obtient dans le temps et à travers la souffrance et l'endurance. Tout ce que vous obtenez rapidement et facilement n'a pas de force, n'a pas souvent de qualité. Vous ne pouvez pas comparer le vin et le jus d'orange. De facto, vous ne pouvez pas comparer le traitement que le raisin subit pour donner le vin et le traitement que l'orange subit pour donner l'orange, pour donner le jus d'orange. Le vin peut durer des années et des années. D'ailleurs, plus les années passent, plus le vin devient plus important et plus cher, plus qualitatif. Et pourtant, le jus d'orange a des délais. 2 mois, 1 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Rarement, vous allez voir un jus d'orange d'une année. Mais pourquoi? Tout se base sur le processus. Tapez-moi 5 fois processus. Tapez-moi 3 fois processus, processus. Ne fouillez pas les problèmes. Ne fouillez pas les combats parce que Dieu n'a jamais abandonné sa création. La Bible dit, la terre était devenue informe, vide, les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais Dieu était là. Je serai là. Je serai là pour mes enfants. Je serai là pour ma femme. Parce que je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. David a dit, l'Éternel est mon Dieu, qui pourra me faire un homme? De qui aurais-je crainte? Quand même une armée campait autour de moi, malgré cela, je serai plein de conscience. Vous devez être sûr de vous, parce que Dieu est sûr de vous. N'abandonnez pas parce que ça devient informe. N'abandonnez pas parce que ça devient vide. Il n'y a plus rien. N'abandonnez pas parce que la nuit est finie. N'abandonnez pas parce que la nuit est finie. Aucune durée de la nuit ne peut arrêter l'arrivée du jour. Aucune durée de la nuit ne peut empêcher l'arrivée du jour. Quelle que soit la durée de la nuit doit savoir que le jour va arriver. C'est pourquoi la Bible déclare, le pleur peut durer toute la nuit, mais la joie de l'Éternel arrivera très tôt le matin. Je déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus, dans ces 3 jours, tu dois affronter les sorciers en face. Tu dois être là pour la santé de tes enfants et prophétiser et dire que Seigneur de gloire, tu as dit j'imposerai les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as dit qu'ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. Je répète ici que Dieu n'a jamais été passif dans sa création. Même lorsque la création de Dieu a été abîmée, Dieu a toujours été acteur. Sois acteur de ta souffrance, de ta destinée. Ne laisse pas ta vie aux mains des gens. Ce sont les hommes qui t'ont abandonné, ce n'est pas Dieu. Ce sont les hommes qui ont découvert que tu n'as rien. Mais Dieu savait déjà que tu n'as rien. Il a toujours été avec toi. Ce sont les hommes qui ont découvert après que tu n'as rien. Mais Dieu, c'est que les hommes sont en train de découvrir. Dieu le savait déjà, mais il ne t'a jamais abandonné. Laisse que les hommes t'abandonnent, mais Dieu ne t'a jamais abandonné. Malgré l'informe et le vide, malgré la situation difficile, malgré le complot, malgré le manque d'emploi, malgré que tu pleures. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, malgré la souffrance, ta vie, tu ne dois pas la subir, tu dois la vivre. Tu n'existes pas pour subir. Tu n'es pas une proie. Tu es un prédateur. Et si tu es une proie, sois une proie têtue. Vous devez savoir une chose. Même les prédateurs ont leurs limites. Tout ce que je remarque dans la nature, chaque fois que les proies prennent conscience, le prédateur fuit. Le prédateur, ils ont une faiblesse. Ils n'aiment pas se faire attaquer. Les lions, les guépards, les hyènes, et tous ces prédateurs, ils n'aiment pas se faire blesser. Et regardez dans la nature, chaque fois que le buffle prend conscience qu'il est plus fort que le lion, il tue les lions. Nakata Zambako, Sokikaka, Bampaka Sabazu, conscience que Amaka Sikoleka lion. Babo Mahabalion. Je déclare aujourd'hui que tu aies conscience que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça, retour à l'expéditeur. De ne pas se laisser faire. Le buffle, quand il se rend compte qu'il est plus fort que le lion, il tue les lions. Mais lorsque le buffle n'est pas conscient de la puissance que Dieu lui a donnée, il se fait manger par le lion. Ne te fais pas manger. C'est la logique du monde que nous vivons. Même dans le Conseil des Nations, il y a des prédateurs, il y a des proies. C'est ça la logique qui existe. Dans la politique, dans l'économie, la seule logique qui existe, c'est la logique de la brousse, c'est la logique de la jungle, c'est la logique de proies et de prédateurs, de plus fort et de plus faible. C'est toi qui dois te positionner. Tu vas être dans quelle position? Parce que Dieu n'a jamais été une proie. Dieu a toujours été un acteur, un prédateur. Parce qu'un prédateur, il est capable d'affronter même le poids qui sont plus grands que lui. Parce qu'il a dans son ADN l'esprit de prédation. Il n'a pas peur de buffle. Un lion n'a pas peur de buffle jusqu'à ce que le buffle se venge. Tant que le buffle n'a pas conscience, le lion n'a pas peur de buffle. Tu ne dois pas faire peur parce que les ennemis sont plus forts que toi. Tu ne dois pas avoir peur parce qu'ils sont plus nombreux que toi. Tu ne dois même pas avoir peur parce qu'ils sont allés avant toi. Aller devant, ce n'est pas arrivé. David a prié à Tisclag. Le Seigneur a dit, poursuis-les, tu les atteindras et tu récupéreras ce qu'ils ont volé. 3 jours, ils étaient déjà partis, les Amalécites. Mais David, en priant le Seigneur, il a poursuivi les Amalécites. Et il les a atteints, il les a battus, et il a récupéré ses femmes, ses enfants et les richesses. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que ceux qui sont partis plus que toi, avant toi, dans la précipitation, dans le mensonge, ils ont grandi. Ne t'en fais pas, ne deviens pas pécheur, ne deviens pas jaloux, ne deviens pas aîné. Reste enfant de Dieu, sois dans l'amour de Christ, demeure fort. Retour à l'expéditeur veut dire que qu'il pleuve, qu'il neige, je suis là. Dieu était présent dans le chaos du toïaboï du commencement. Dieu était là par son esprit. La Bible dit l'esprit était là et il agissait. Tant que tu agiras, les résultats viendront. Quelle que soit la souffrance, tu guériras de cette maladie et tu continueras à vivre. Que le diable ne te dise pas que c'est fini pour toi. Les terres étaient devenues informes et vides. Et l'Esprit de Dieu agissait, agissait. L'Esprit de Dieu agissait, bien-aimé Seigneur. Les 3 griffes du chrétien. La première griffe, c'est quoi? C'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Un homme qui est versé dans les Écritures. Un homme qui mange la Bible. Un homme qui connaît les Écritures. Est un homme qui a des griffes. Parce que celui qui a la parole de Dieu, il peut utiliser la parole de Dieu pour appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Avec la parole, tu vas déclarer et les choses arriveront. Ne déclare pas des choses en l'air. La parole de Dieu est une griffe qui est bien aimée, Seigneur, qui va t'aider de gagner des combats. C'est ce qui fait que, puisque tu es aigle, tu as de grosses griffes. Tu peux attraper même des proies qui sont plus gros que toi. Les sorciers qui ont tué des centaines de personnes tomberont devant toi parce que la parole de Dieu habite en toi abondamment. La parole a été faite chère et nous mangeons cette parole. Je prêche ce que je vis. J'ai compris que lorsque Dieu vous appelle à quelque chose d'extraordinaire, ça prend du temps. Dieu va permettre que la personne qui mange avec toi te trahisse. Dieu va permettre que tu manques du travail. Dieu va permettre que ce que tu as construit puisse tomber. Dieu va permettre que l'espoir, là où tu gardais ton cœur, là où il y a ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Les trésors que tu gardais là, Dieu va permettre que ces trésors soient même volés. Parce que Dieu veut t'amener à des nouvelles dimensions. Il faut être là. Il faut agir. Ne sois jamais à court d'idées. Et pour ne pas être à court d'idées, tu dois avoir la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Médite-les jour et nuit. Et il a ajouté, agis fidèlement selon ce qui est écrit. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Ça veut dire que la parole de Dieu est une griffe dans le combat spirituel. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, il est inattrapable. On ne peut pas l'attraper, c'est lui qui attrape. Je prie au nom de Jésus à partir d'aujourd'hui que les griffes, les trois griffes, la première griffe c'est la parole de Dieu, que cette griffe soit bien aiguisée, soit bien préparée. Cette griffe doit bien être travaillée, alléluia, doit bien être renouvelée. Comment cette griffe doit être bien renouvelée? Nous devons méditer les Écritures, nous devons connaître ce que Dieu a dit pour nous, nous devons connaître nos prophéties, car la parole de Dieu, la Bible dit les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tu dois te rappeler toujours des paroles prophétiques qui ont été dites à ton sujet. Parce que Dieu ne se trompe pas. Il a dit, je ne trahirai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Ce que je dis pour toi, cela se réalisera. Même si tout le monde t'abandonne et que tu te retrouves seul, sache-le bien, que cette prophétie s'accomplira. Parce que Dieu n'a pas besoin de tout le monde pour être Dieu. Tu n'as pas besoin de tout le monde pour être toi. Tu n'as besoin que de Dieu. C'est pourquoi David déclare, « Qui peut me faire un homme, puisque l'Éternel est mon Dieu ? De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte ?» Quelqu'un qui a la parole de Dieu ne se fait pas intimider. « Je me réveillais la nuit. Je me réveillais la nuit. Je marchais. » Dans toute la maison, je conduisais ma voiture, 500 kilomètres, bien mes Seigneur, sans écouter la musique, et je répétais les paroles prophétiques. Je répétais les prophéties qui m'ont été données, les paroles prophétiques que Dieu m'avait données, et je les répétais. Je les répétais, et je parlais à Dieu. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, devant les obstacles, il ne fuit pas. Il met la parole en exercice. Il met la parole en action. Un véritable militaire qui a bien appris l'art de la guerre. Tapez-moi 5 fois la guerre, la guerre, la guerre. Partagez et commentez. Un véritable militaire qui a appris l'art de la guerre. Il ne peut pas fuir tant qu'il a son arme. Regardez même dans les films, tous ceux qui ont fait les militaires, tous ceux qui ont appris, qui ont fait le combat. Dès qu'il y a un danger, le premier réflexe, c'est comment se défendre, non pas comment fuir. Éviter de fuir le problème. On ne résout pas les problèmes en les fuyant. On ne gagne pas les combats en les fuyant. On va vous déclarer forfait. Je refuse qu'on me déclare forfait de ma destinée. Dis avec moi, je refuse qu'on me déclare forfait de ma destinée. Car ma destinée, c'est le sommet. Ce n'est pas la vallée. J'ai été dans la vallée, enfin que je sois suffisamment capable de rester au sommet. J'ai été dans la douleur et dans la souffrance, enfin que je sois capable d'apprécier le bonheur. Parce qu'on n'apprécie jamais les choses tant qu'on ne les a pas manquées. La Bible dit, celui qui est rassasié foule aux pieds, même un rayon de miel. Mais celui qui a faim, deuxième griffe parce que je n'ai plus le temps. 3 jours de retour à l'expéditeur. Nous sommes dans la parole, Genèse chapitre 1, verset 1 à D. L'Esprit est là. Dieu n'a pas abandonné sa création. Dieu a toujours été l'acteur de sa création. Même lorsqu'elle a été abîmée, Dieu a toujours été là. Dieu a toujours agi. Deuxième griffe du chrétien sur la prière. Vous allez voir que Jésus a utilisé 3 choses. La prière, la parole, la prière. Et la troisième griffe, c'est le jeûne. La Bible dit, il passa toute la nuit à prier. Personne n'avait prié comme Jésus. Personne n'a prié. C'est grâce à la prière que le matin, il libérait la parole et les miracles se produisaient. Un homme de Dieu, un chrétien, un enfant de Dieu né de nouveau, qui est une machine de la prière, même si vous perdez tout, vous récupérerez tout, même au centuple. Job était un homme de la prière. Il connaissait Dieu. Il priait avant d'être malheureux, avant de tomber dans la disgrâce, Job était un homme de la prière. Il connaissait les secrets de la prière. Il priait avec les offrandes. Il priait avec les holocaustes. Il priait avec le sacrifice. Il priait. Il connaissait la prière. On voit Jésus, tout son parcours, la prière. La prière et les gènes. La prière et les gènes. Trois griffes, la parole. La prière et le jeûne. La Bible dit, conduit par l'esprit, il dans le désert, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est grâce à son jeûne et prière, il était rempli, mais par le jeûne et prière, il a été revêtu. Bien-aimé, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien, bien-aimé du Seigneur, qui a ces trois griffes dans le combat spirituel, il est imbattable. Il n'a peur d'aucun sorcier. Tu n'as pas peur d'un oncle parce qu'il terrorise les gens dans le quartier ou dans la famille. Tu dois aller t'agenouiller là-bas comme aujourd'hui des chrétiens, des pasteurs, des hommes de Dieu ont peur des sorciers de la famille. On ne doit pas avoir peur quand on maîtrise ses griffes. Un aigle n'a pas peur de ses proies. Il attaque parce qu'il a confiance dans ses griffes, non pas dans son bec. Il a confiance dans ses griffes. Quelle que soit la taille de sa proie, l'aigle a confiance dans ses griffes. Tu dois avoir confiance dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est une semence incorruptible. La parole de Dieu est esprit. Elle est puissante, elle est créatrice. Quelqu'un qui mange la parole, qui dort dans la parole, qui se réveille dans la parole, déclare sur tes enfants. Celui qui se lève pour t'attaquer, déclare la bataille, affronte-les comme Élie les Titubite sur le mont Carmel. Nous allons voir si c'est le Dieu de Baal ou c'est le Dieu d'Israël, si c'est Baal ou c'est El Shaddai. Nous devons affronter les combats en face. Les adversaires de votre vie. Ne laissez pas les gens vous mater. Ne laissez pas les gens sous prétexte de l'amour, sous prétexte d'être chrétien, sous prétexte d'être calme, silence. Il y a un temps pour rester silencieux. Il y a un temps pour parler. La Bible déclare, le problème c'est ne pas parler. Le problème c'est pas se taire. Le problème c'est savoir quand il faut parler, quand il faut se taire. Jésus a maîtrisé l'art de la parole, l'art de la prière et l'art de jeûne. Il a prié, même jusqu'à la fin, à Gethsemane, il a fait une démonstration de la prière. Sur le montant de la transfiguration, sur la montagne de la transfiguration, il a fait une démonstration de la prière. Pendant qu'il s'est en train de prier, la Bible déclare, les nuages les a couverts. Il a été transformé et il y a des éléments qui se sont... Le décor a changé. La prière peut changer le décor. La prière peut vous redonner ce que vous avez perdu. La prière peut vous rajeunir. La prière peut vous donner la victoire devant Goliath. La prière peut vous donner la victoire devant une maladie qui semblait incurable. La prière peut vous ramener, bien-aimé Seigneur, au top là vous avez perdu. La prière, à la montagne de la transfiguration, pendant qu'il est en train de prier, la Bible déclare qu'il y a eu des changements de décor. Un nuage les a enveloppés, il a été transformé et des éléments ont changé. On a vu Moïse et Élie apparaître, c'était bouleversant. La prière peut nous amener à une dimension, même quand nous regardons Pharaon, nous disons, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je t'ai dit de libérer mon peuple. Dieu m'a dit, laisse mes enfants. Si tu ne laisses pas mes enfants, les conséquences seront graves. Quelqu'un qui maîtrise la parole, quelqu'un qui maîtrise la prière, quelqu'un qui maîtrise la vie de jeûne et prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas un faux, tu seras un vrai. Tu ne vas pas prêcher les choses, tu les vivras. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent les choses, mais qui ne les vivent pas. Ne vous inquiétez pas parce que tout succès ne vient pas de Dieu. Même dans les églises, même dans les ministères, toutes les réussites ne viennent pas de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être un bandit pour réussir. Tu n'as pas besoin d'être violent, tu n'as pas besoin d'être adultère, tu n'as pas besoin d'apparaître, tu as besoin d'être. Parce que si tu es, tu vas apparaître. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, les gens veulent apparaître, mais ils ne veulent pas être. Tu prêches contre l'infidélité, mais tu es une femme infidèle. Tu prêches contre la brutalité, tu es brutal. Tu prêches contre le mensonge, tu es menteur. Lève-toi avant de terminer. Retour à l'expéditeur. Tu dois être la terre de ta vie. C'est la parole de Dieu, la prière et le jeûne qui sont les griffes d'un chrétien. Ne sois pas un lion sans griffes. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La logique du monde veut que nous vivons dans un monde de prédateurs et de proies. Est-ce que tu es dans quelle catégorie? Tu es dans la catégorie de prédateurs ou tu es dans la catégorie de proie? Même si tu es dans la catégorie de proie, sois une proie difficile. Sois une proie difficile. Il y a des petits animaux là. Il y a un animal là qui m'échappe là, les noms souvent. Ça m'échappe. Il peut affronter 4, 5, 10 lions. On le mange pas. Je vis les léopards. Ça l'attrapait, la mort de lui aussi mort. C'est un petit animal comme ça. Ni les lions, ni les guépards, aucun prédateur n'arrive à attaquer cet animal-là. S'il est petit comme ça. Mais il est coriace. Il menace les lions. Sois quelqu'un, malgré que tu es pauvre, tu as la parole. C'est la parole qui enrichit. Tu as la prière. La prière change les décors. C'est par la prière que la fille de Jairus a été ressuscité. C'est par la prière que la fille de le fils de la veuve de Naïn a été ressuscité. C'est par la prière que Lazare est ressuscité. C'est par la parole que Jésus a arrêté la tempête, arrêté le vent. C'est par la prière, c'est par le jeûne qu'il a été rompu au lieu d'être seulement revêtu. Je m'arrête ici. Le retour à l'austérité veut que tu sois l'acteur de ta vie. Il faut que quand les sorciers bazo lalako, bazo banga, il faut que les sorciers, quand ils dorment, ils ont peur de toi. Ils savent que si on les touche, on ne va pas dormir. Ni le jour, ni la nuit. Parce que notre combat est un combat sérieux. 3 jours. Je vous inviterai encore demain, samedi, à 18 h, sur votre page, nouvelle page, Samuel Panzu Ministry. Et à 22 h demain, nous serons encore là. De 22 h à 23 h. Et dimanche, nous allons clôturer cette prière de retour à l'expéditeur. Venez avec colère. Venez avec la violence spirituelle. Il a dit pour le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Retour à l'expéditeur. Ce dimanche 3 août, à Noisy-le-Grand, à Novotel, de 10 h à 13 h. Venez nombreux, nous allons prier. Alléluia, la guérison sera là. Je vis et je prêche le Dieu de la restauration, le Dieu qui m'a restauré, le Dieu qui me dit, attends, cache-toi, attends, le Dieu qui me fait voir la grandeur, le Dieu qui me fait entrer dans des endroits où je ne pouvais pas imaginer entrer, le Dieu qui me donne la paix dans la tempête, bien, Seigneur, ce Dieu est toujours au rendez-vous. Je suis celui qui prêche les choses qu'il a vécues et qu'il vit. Je crois que Dieu est un Dieu de la restauration. Que mon Dieu te bénisse. Nous t'invitons, montagnards du monde entier, connectez-vous massivement pendant ces 3 jours. Ces 3 jours de jeûne et de prière. La clôture, c'est dimanche. Et préparez-vous, parce que samedi, vendredi prochain, nous allons encore avoir 3 jours de jeûne et prière. Jusqu'à la fin de l'année, ça sera un moment puissant et glorieux. Nous attendons d'avoir la salle et nous croyons que Dieu nous les donnera. Que Dieu te bénisse avant de clôturer. Si Dieu t'a fait grâce de pouvoir être béni par ce ministère, nous avons besoin de toi, en fait de nous soutenir par vos dîmes, par vos offrandes, par vos actions de grâce, en fait que nous puissions continuer à servir ce Dieu avec force et efficacité. Nous sommes encore à l'hôtel, là où nous faisons nos cultes. Je demande à Samuel de faire encore passer la vidéo de sport. Shalom la famille, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de passer des moments merveilleux ici à Novotel Noisy-le-Grand. Alors, tous les montagnards du monde entier et les montagnards de la France et précisément de Paris en Île-de-France, désormais, notre adresse c'est de aller bienvenue, n'est-ce pas, Noisy-le-Grand, 93 160 Noisy-le-Grand. Nous faisons nos cultes chaque dimanche, de 10 h à 13 h à l'amphithéâtre. Comme vous êtes en train de voir la salle, elle est là, un très beau cadre. Nous vous attendons vraiment nombreux tous les dimanches. C'est une école merveilleuse et vous connaissez la profondeur de nos enseignements. Alors tous les dimanches, nous passons des moments de délivrance, des moments prophétiques, des moments de gloire. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Ça, c'est une invitation cordiale que nous nous vous adressons. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, le problème avec les enfants, le problème avec le mari, le problème de possession démoniaque, à la montagne de la prière, nous disons, ça ne rate pas. Alors vous êtes notre invité tous les dimanches de 10h à 13h à Novotel Noisy-le-Grand. Les coordonnées sont là, l'adresse est là, les numéros de téléphone sont là. Appelez-nous et nous vous recevrons vraiment avec joie. Ce sont des moments merveilleux. Ce sont des moments de rencontre avec le Seigneur. Je suis béni de savoir que le dimanche prochain, vous serez parmi nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. En tout cas, soutenez. Si Dieu te fait grâce d'avoir à cœur de payer un dimanche, appelle-nous. Dieu te le rendra au centuple. Je crois à ces dieux. Alors, nous avons le PayPal qui est en bas de cette vidéo. Nous avons aussi les coordonnées des Liban, des codes bancaires. Nous avons tout ça en bas de cette vidéo. Et nous avons aussi, bien aimé Seigneur, le super chat. Dans cette vidéo, vous pouvez aussi envoyer une offrande pour arracher cette parole. Et je prie aussi que Dieu te bénisse, toi qui partages encore et qui partages encore. Nous avons encore, nous attendons encore le retour de du site internet. Quand vous tapez, vous voyez qu'il est en maintenance. Parce que nous sommes en train de travailler pour que ce soit un site professionnel et sécurisé. Donc d'ici là, vous aurez le retour de votre site, afin que vous puissiez encore l'utiliser. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nos programmes, comme vous le savez, nous sommes là lundi, mercredi et vendredi. 18h sur Facebook, 22h sur YouTube, Samuel Panzu TV. Donc pendant ces 3 jours. Et puis là, nous sommes là aujourd'hui, demain samedi, 3 jours. Aujourd'hui, demain, et nous allons clôturer samedi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je demande à Dieu que tu sois à la terre, que tu ne cesses pas d'agir pour ta famille, pour ta destinée. Ne te fais pas peur, alléluia, des adversaires. Ne pas peur des problèmes, des difficultés que tu affrontes, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Kohena, Kohena et encore Kohena, que l'Éternel vienne avec nous. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye. Shalom la famille, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de passer de moments merveilleux ici à Novotel Noisy-le-Grand. Alors, tous les montagnards du monde entier et les montagnards de la France et précisément de Paris en Île-de-France, désormais, notre adresse, c'est de aller bienvenue, n'est-ce pas, Noisy-le-Grand, 93 160 Noisy-le-Grand. Nous faisons nos cultes chaque dimanche de 10h à 13h à l'amphithéâtre. Comme vous êtes en train de voir la salle, elle est là, un très beau cadre. Nous vous attendons vraiment nombreux tous les dimanches. C'est une école merveilleuse et vous connaissez la profondeur de nos enseignements. Alors tous les dimanches, nous passons des moments de délivrance, des moments prophétiques, des moments de gloire. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Ça, c'est une invitation cordiale que nous vous adressons. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, le problème avec les enfants, le problème avec le mari, le problème de possession démoniaque, à la montagne de la prière, nous disons, ça ne rate pas. Alors vous êtes notre invité tous les dimanches de 10h à 13h à Novotel Noisy-le-Grand. Les coordonnées sont là, l'adresse est là, les numéros de téléphone sont là. Appelez-nous et nous vous recevrons vraiment avec joie. Ce sont des moments merveilleux. Ce sont des moments de rencontre avec le Seigneur. Je suis béni de savoir que le dimanche prochain, vous serez parmi nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.